شو عمي شو رأيك؟ بيطلع مني شي؟ شو رأيي؟ مال الشام بنت عباس بيطلع منها يعني؟ وعم حمزة الله يخلي لي اياك طول العمر فوق راسي. يلا روح يا عمي خلينا نلحق ستك من عباس قبل ما تزعل. أنا ما بيهون علي زعل أصلا. مسيو لو غوفرنور كولونيل فرانس vous êtes bienvenu. Merci monsieur. Je vous présente ma sœur Camélia. Mademoiselle Camélia. Vous êtes la bienvenue à Damas. Très heureuse monsieur le gouverneur. Je vous en prie. Merci. Merci. Colonel. Je sais que vous avez tant appris l'histoire de l'Orient. Et vous voilà à Damas, à la porte de l'Orient. Et puisque vous parlez bien l'arabe d'une manière magnifique, ce que j'ai appris, je crois que votre mission sera plus facile. Je l'espère, monsieur. كمان كاميليا بتحكي عربي كتير منيح. Et c'est moi qui lui ai appris. كان معلم كتير شاطر. C'est parfait. On m'a dit que la situation à Damas n'est pas rassurée. C'est vrai, monsieur, c'est vrai. Malheureusement, la mentalité des Syriens n'est pas si facile à comprendre. Mais puisque France parle très bien l'arabe, il comprend pas seulement leur culture, mais leur mentalité aussi. Mademoiselle Camélia, il me semble que votre frère compte beaucoup sur vous. Alors, je vous demande de bien vouloir de l'aider dans sa mission. Avec plaisir. Merci de votre confiance, monsieur. Comme vous savez, nous sommes venus dans ce pays pour l'aider à se développer. Mais malheureusement, les Syriens agissent toujours par haine et par rancune. Et c'est vraiment dommage. Colonel, malgré les efforts militaires qu'on a choisis contre ce peuple, mais malheureusement, on n'a pas toujours réussi. C'est pour cela que j'ai vu d'utiliser la méthode de renseignement afin de trouver une solution. Et vous étiez parmi les meilleurs dans ce domaine. C'est pour cela que je compte à vous pour trouver une solution. Je suis là pour ça. Alors je compte sur vous pour cette mission. Je crois que c'est le temps d'aller manger. Je vous en prie.